Ce lundi 26 septembre, à l'école primaire Les Petits Cailloux, à Saint-Hilaire-de-Loulay, a organisé conjointement avec l'association culturelle Lolayo des prises de vue photographiques réalisées par deux classes, les CE1 et CE2. Alors les enfants sont très contents de participer à cet atelier photo. D'abord, j'ai expliqué le thème avec les enfants, qu'on allait faire de la photographie. Ensuite, Monsieur Soulard est venu faire une intervention dans la classe. Il leur a montré les différentes techniques de photo avec des photos sur vidéoprojecteur. Et après, on a reparlé du thème. Et nous, en classe, on a retravaillé par petits groupes et ils ont cherché une photo qui pourrait exposer justement le jour de l'exposition. Les enfants comprennent bien le système de la photo. Vous avez pu travailler facilement avec eux autour de la photo ? Oui, ils aiment beaucoup et par rapport à l'enseignement de l'école, nous travaillons énormément sur des bases de photos, par exemple en géographie. Et donc les enfants savent déjà le premier plan, le deuxième plan, l'arrière-plan. Donc en fait, tout ça est retravaillé en même temps en projet à l'école. Alors ça fait plusieurs années que nous participons à l'atelier photographie avec l'atelier photo de Lolayo et c'est pas toujours les mêmes classes, ça dépend après les classes qui veulent participer au projet. C'est généralement les grands de l'élémentaire quand même, on ne fait pas participer les maternelles. Par contre, de la maternelle à l'élémentaire, les enfants vont voir l'exposition après. Alors le thème, on a abordé que le thème proposé pour l'instant par l'équipe de photo de Lolayo. On a fait que celui-là pour l'instant. Que le thème, même pas peur. Après, par groupe de deux, c'est eux qui ont trouvé leur photo. Par exemple, il y a un groupe où c'est une voiture qui va faire mime de rentrer dans la bouche d'un enfant. Il va y avoir un enfant qui porte quelqu'un comme si c'était très lourd. Il va y avoir des jeux d'ombre aussi avec un autre groupe. Donc, voilà. Tu appuies une première fois doucement pour régler la distance. Et quand tu as bien appuyé une première fois, tu appuies dessus. Fort. Ça fait un flash. La photo. D'accord. Ça fait un flash. Mais j'ai pas obligé. Alors il y a 4 ou 5 ans, je faisais déjà partie de l'atelier de Lolayo à Saint-Hilaire. Et une année, j'ai pensé que ce serait bien que les enfants des écoles de Saint-Hilaire puissent profiter de notre travail. On intervient avec eux pour leur expliquer ce que c'est qu'une photo, comment on prend une photo, comment on essaie de pas trop la rater. Et ensuite, on vient sur le thème de l'expo du club, de faire des prises de vue, on vient avec eux. Alors, les photos qu'on fait faire, c'est on vient avec eux et au moment de la préparation, pour expliquer comment prendre une photo, on prend aussi un petit moment pour leur expliquer le thème de l'expo. Ils avaient préparé une photo ou plusieurs photos sur papier, le dessin, la description, etc. Et ensuite, à la prise de vue, donc, ils viennent et on dit, ben voilà, faut réaliser ça. Donc, des fois, c'est pas très réalisable, faut faire des efforts et on adapte, quoi. On essaye de les adapter. Mais ce qu'ils comprennent bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ils voient que prendre une photo, ça prend du temps. Pour les CE1, ben, faut être moins ambitieux. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils veulent faire des choses un peu bizarres, des fois, qui sont irréalisables. Donc, on essaye de mieux les orienter. Là, bon, je pense qu'il y a des choses qui vont être intéressantes. Mais il faudra bien regarder à leur niveau. Il faudra bien se dire, c'est des CE1 qui ont fait ça ou des CE2 qui ont fait ça. Alors tous les ans, donc, on choisit l'atelier photo de Lolayo. On choisit au mois de février, par là. On commence à définir un thème pour l'expo d'octobre. On discute entre nous tout ce qui peut se faire. On commence à voter, en éliminer et en garder une dizaine. Et puis après, on n'en garde plus que trois. Et parmi ces trois, on choisit le thème. Et donc cette année est sorti le thème « Même pas peur ». Alors, ça faisait peur à certains parce que c'est vrai, pour l'exprimer, n'imaginez pas comment ça se fait, mais on a 6 mois pour faire 2 photos chacun, et on arrive à faire en 6 mois à trouver des choses qui ont de la gueule, que si on peut dire, et puis qui nous font chercher et travailler un sujet photographique. Alors, chaque classe va sélectionner 15 photos, 15 ou 17 photos, qu'on va mettre sur des panneaux, chacun leur panneau, et qui seront exposés le jour de notre exposition à nous. Il y aura un panneau pour une classe et un panneau pour l'autre classe. Et donc les élèves vont venir le vendredi. Ceux-là vont être prioritaires parce qu'il y a 7 ou 8 classes qui passent le vendredi dans les classes des écoles de Saint-Hilaire. Et ces deux classes-là vont être prioritaires pour avoir un créneau pour venir voir l'exposition et voir leurs photos. Tu vois pas ses pieds, ils sont où ses pieds? Ils sont derrière le groupe. Rendez-vous donc pour l'exposition Même pas peur dans la salle du Cercle à Saint-Hilaire-de-Loulay les vendredis 14 et samedi 15 octobre.